Toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. Et on reprend ça à ta dernière fois dans le jeu Assassin's Creed Unity. Et on commence tout de suite par la première mission de la séquence 10. Il faut savoir que j'ai filmé toute la fin du jeu, mais j'ai supprimé toutes les vidéos avant de les avoir mis en ligne, donc je dois y refilmer. Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment. Non. Mais le marquis siège à la convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche? Ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bout. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Saad, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Mauvaise vie. Donc vous avez remarqué, normalement j'ai tout l'équipement napoléonien en légendaire, mais j'ai le skin de tenue de maître d'Arnaud. Une fois que j'ai fini le jeu, en fait, j'ai débloqué ce skin là que je trouve magnifique d'ailleurs. C'est pour ça que j'apporte. Et je porte l'épée d'Eden, mais qui a le même stade que mon ancienne épée. Une livraison de vin pour le palais. On porte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Donc, bien évidemment, pour prouver mes dires... Arme à une main, épée d'Eden, d'accord. Voilà. Stats identiques, modificateur identique. Voilà. Équipement, tête. Donc, déjà, équipement, j'enlève la tenue. Voilà. Normalement, elle devrait être brillante, la poitrine. Donc j'ai tout ce qui est napoléonien, hein, que je trouve magnifique de base. Mais bien évidemment, on va mettre ce skin là que je trouve encore mieux. Hein. Bon après voilà, j'ai aussi toutes ces tenues. Hein. Arnaud intrépide, tenue de maître... Voilà. Donc maintenant, on y va. Je voulais juste vous prouver que je ne vous mentais pas sur... sur ce. Donc comme j'ai dit auparavant, j'ai supprimé... En fait, j'ai cru avoir mis en ligne l'épisode 27 et 28 du jeu. Mais j'ai été supprimé. C'est bête, hein. J'ai supprimé les épisodes 27 et 28 quand même. Ce qui fait que je suis obligé de vous refilmer, donc je suis obligé de passer par... Comment ça s'appelle? Je sais exactement où il est, donc... pas la vision d'elle. Ce qui fait que je suis obligé de passer par...
Suivi de progression, je charge les missions donc gros pour continuer. Mince. J'ai utilisé une compétence là. Viens ici, je suis détruit, comme tous les autres traîtres. Un seul verre. Je ne sais pas de quoi vous. Je fais ce métier depuis 30 ans, personne. Je sais reconnaître du baffre laté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça chante. Ça. Mais je n'en achèterai pas une goutte. Viens ici, toi, que je t'écrase comme une noix. Ils vont poisonner mes clients. Désolé, monsieur. Je peux plus me camoufler. C'est justement comment je m'en équipe de cette compétence. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour. Empoisonné. Et ensuite, du pain avarié. Viens ici. Si tu le demandes gentiment, je te tuerai du premier coup. Toi, ne bouge plus. Je regrette l'époque de la vente, tu sais. Si on te clouait à une charrette. J'aimerais bien en fait savoir comment je change ça en fait. Excusez-moi. D'accord, je peux te rappeler le bon vieux temps. Hein, la saleté dans les coins. Monsieur le Pelletier est très, très poitilleux. Mon père était un excellent arracheur de dents. Il m'a tout appris. Hé, toi, reste là un moment. Monsieur le Pelletier, c'est plein de traces l'autre jour. On va rentrer par là. N'en laisse pas cette fois. Vous voyez, autant de dégâts que quand c'est des dégâts. Monsieur le Pelletier, c'est plein de traces l'autre jour. Mais bon, normalement, vous n'aurez pas ces PA. Ah bon, c'est juste un skin. Pardon, mademoiselle. Monsieur le Pelletier. Ceci pourrait-il vous convaincre? Oh oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Monsieur. Voilà. Mais ceci, c'est vu que je peux pas utiliser ma... C'est vu que je peux pas me déguiser, ça m'énerve. Comment vous déguisez? Normalement, à ce moment-là, vous pouvez vous déguiser, ça m'énerve pas pouvoir refaire. Compétence, discrétion. Bien W, le prince. Ah
Ah mais comment je fais alors moi pour me déguiser? S'il vous plaît, dites-moi. Je peux pas modifier. Génial, hein. Génial, hein. Oh, normalement, ce qui se passe, normalement, vous allez l'empoisonner. Vu que moi, je peux pas. En fait, normalement, vous allez l'empoisonner, il va partir là-bas. Il va demander une bouteille, vous mettez ici, vous mettez en discrétion, vous cachez ici, vous changez la bouteille. Il va boire la bouteille, bien évidemment. Tout ça parce que j'ai un. Je peux pas avoir ma compétence que je veux. Comme ça, vous changez la bouteille, il va s'empoisonner, il va venir tout de suite vers vous, ça va être derrière le comptoir, vous assassiner, vous partez. Mais bon, moi j'avais pas le choix vu que je pouvais pas me transformer pour poser. Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Peltier. À cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution. Et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Génial, je peux pas ressortir par là où je suis arrivé. Ah bon. On peut sortir par ailleurs. Tu peux dire adieu à la vie si tu veux. Prêt, patriote. Ah. Pas de temps à perdre avec eux. Maintenant, il faudra à chaque fois que je charge la sauvegarde, comme je vous l'ai dit. Et je m'en excuse d'avance. Hein. Enfin. C'est pas pire que devoir aller en fait au lieu où il faut lancer la mission, mais bon, c'est différent, je trouve. On craint une fois assassiné Monsieur Le Peltier. Je vais vous dire très bien. Donc, suivi de progression, séquence 10. Voilà. Alors dans cette vidéo je ferai séquence 10 et 11, dans la vidéo suivante je ferai séquence 12. Et plus la fin du jeu, bien évidemment.
Ils sont en train d'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. En tout cas, c'est que maintenant je sais exactement où il se trouve, en fait, tous les cibles. Mais pas pouvoir me camoufler. Ah, mais ça m'énerve, ce pas pouvoir avec cette compétence là qui bug. Amenez le condamné! Oh bon, les objectifs secondaires, je vais pas y faire, ça si vous voulez faire, vous faites. Hein. Et voilà, nous en sommes tous vers Germain. Bonjour Arnaud. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, oh, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Peuple, je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi. Rien n'est plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri le monde. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Allez! Quelle belle entrée en scène! Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Tuez-le! Élise, il faut partir. C'est pas bon signe. Rattrape-le! Allez, exo. Moi, mon talent, c'est que je peux faire rapidement plein de tous mes. Envoie les deux. Je m'occupe d'eux. Rattrape Germain. Voilà. Il n'en vaut pas la peine. Allez, je... Sois raisonnable. Élise, non.
C'est quand même chiant de pas pouvoir se déguiser. Je sais pas en fait comment modifier la compétence. Elise, partons, c'est terminé. Je ne laisserai pas s'en tirer. Je la rattraperai de toute façon. Voilà des ennuis. Et de la pire sorte. Ouais. Allez vite. Il a dû partir à pied. Elise. Il est parti. C'est pas vrai. C'était notre seule chance. Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer, et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Elise! Elise! Or, pour étourdir, c'est simple, vous prenez un fusil, vous attaquez 5 ennemis avec, enfin, au corps à corps. Vous les achevez pas au sol, c'est bon, vous en avez étourdi 5. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. Et pour les tueurs, c'est simple, vous montez sur les tours, vous les éliminez. Mais bon, moi j'ai pas voulu faire ça, étant donné que c'était pas ma priorité. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Donc nous voici au début de la séquence 5, enfin la séquence 11, mémoire 1. Je resserre à vous trouver la séquence 10, mémoire 3, donc la petite cinématique d'une minute, quasiment 2 minutes, je vous l'ai inséré entre les deux. Étant donné que je peux pas la revoir, j'étais obligé de la chercher entre temps, donc je vous l'ai inséré. Comme ça au moins, vous l'avez maintenant. Et pour ce qui est des compétences, en fait, faut faire personnaliser ça, et j'ai aussi trouvé comment modifier les compétences, faut faire personnaliser notre personnage. Compétences et boosts, et là après vous modifiez, vous reprenez déguisement et vous pourrez faire discrètement la mission précédente. Et nous voici donc au début de la séquence 11.
Non. Non. Où est-elle? Brasserie Garceau. Mais quand? Hier soir? Allez, let's go. Flashback 12 heures plus tôt. Et on était bien bourré. Fiche le camp d'ici. Mais dehors, tu as causé assez d'ennui pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. J'espère que vous n'entendez pas personne qui est en train de tronçonner dehors. En temps normal, je refermerai la vidéo pour éviter que vous ayez tous ces dérangements là. Enfin, j'aurai plus de temps libre devant moi, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez en fait ouvrir la porte, mais j'en ai nul fait cas. Que en fait, vous tuez deux en bas, vous ouvrez la porte, vous pouvez rentrer derrière, voler et disparaître en fait, sans que ces deux-là vous voient. Alors voilà, on récupère le fût. Le petit tonneau. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Putain, mon pauvre Arnaud, t'es totalement torché. Maudit soit la touche. Un excellent moyen. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu? Il s'est approché. Allez. Ouais. Où les gardes? Allez, let's go. Donc vous retrouverez toute la séquence 10 et 11, donc bien évidemment dans cette vidéo, ce qui reprendra pas après 1h, 1h10 de vidéo. Si je te dis ce chien. On dirait que des gens se sont battus. Non, moi c'est moi. Oh seigneur, non pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... la montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Bah, toi aussi, tu dois être sacrément torché, à mon avis. Fais attention. Bah, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Allez, un de moins. Allez, suivant. Oh,
Alors, vous n'avez juste pas la TH en fait, mais vous pouvez mourir, sachez-le. Ah, je me suis pris aucun coup, je suis content de moi. Toi, t'es mort. Après, on se demande pourquoi il est dans l'alcool aussi. Il a plongé dans l'alcool. Hein. Toi. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable. Reviens ici. C'est normal qu'il ait plongé dans l'alcool. Hein. Il a perdu Elise, plus ou moins. Elle a envoyé demander d'aller voir ailleurs. Et il s'est fait renvoyer de la confrérie. Il a tout perdu. Le pauvre. Où est-il? Au palais. Ils sont au palais. Merci. Allez, direction le palais. Pour récupérer notre montre, quand même. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense, un petit conseil quand vous jouez au jeu sur PC. Pensez à lancer une fois le jeu. En fait, vous lancez une fois le jeu, il va laguer le jeu, il va vous avoir des baisses de framerate et tout ça, puis après, quittez le jeu et relancez le. Vous rappelle quelque chose? C'est toi qui déteins sur moi. Il se passe quelque chose. Je prends l'argenterie. Alors, entendez pas, hein? Même pas ça. Ah, faut me concentrer un peu quand même. Voilà. Tu
meurent par empoisonnement, donc faut tuer avec des grenades empoisonnées, avec du gaz empoisonné, mais bon. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette église sera en haut. Et Arnaud, pas d'exploration, compris ? Oui, père. Ouais. Il a perdu son père, mais a rencontré Elise. Nom de Dieu ! Tu veux quoi, toi ? Maman. Là, tu vas pas recommencer ! Prends-la-moi ! Collez pas ta satanée montre ! Menteur ! Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon ? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Elise ? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir ? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain ? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur. Et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu ? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi ? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Maintenant, toutes les cinématiques, normalement, il y a une cinématique dans laquelle on rentre à Paris, j'essaierai de les retrouver et de vous insérer, hein, bien évidemment. Et je m'excuse, c'est en chargement aussi, mais bon. C'est normal vu le jeu que c'est. Enfin, c'est Ubisoft qui a développé un jeu qui est à base prévu pour sur console, sur PC, niveau optimisation, voilà.
Suivi de progression. Séquence 11. Partie 2. Donc cette fois-ci, on va s'occuper de la touche. Depuis le début, on aurait dû le tuer. On n'aurait jamais dû le laisser en vie au début. Mais bon. Je crois pas qu'il y ait de cinématique en fait. Entre les deux moments. Par contre, à savoir. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans. À partir. Voici donc ce qui est devenu la France. Parasites qui saignent la révolution à blanc. Quand vous lancez la séquence 10 mémoire 3, donc en gros la cinématique où vous êtes viré de l'ordre des Templiers, des assassins, de la confrérie. Alors directement après, je dis bien directement après. La séquence 11 mémoire 1 se lance et la séquence. Une fois que j'ai fini la séquence précédente, cette séquence-là, donc la mémoire 2, se lance automatiquement. Ça peut surprendre, mais ça y va direct. Hein. Non, 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 vite les fumigènes. Tant qu'ils ont un point rouge au-dessus de leur tête, c'est qu'ils sachent que ils savent que je suis en fait. Ouais. C'est tireur minéraux. Moi c'est simple, ça va me simplifier la vie pour après. Ouais. Voilà, ça permet en fait de diminuer la zone de sécurité. Ce qui est non négligeable quand même.
qui est marrant, c'est qu'au moins j'embarque tout le monde. Alors, au moins. Voilà. Et je m'excuse. Pas toujours très bon. Hein. Tu viens nous narguer ? Je viens aider. La porte ? Ouais, il y a l'étage, oui. Alors on passe par là. Alors si vous avez fait gaffe, personne emprisonné, c'était les deux forgerons au début qui nous... Enfin les deux frères du début du jeu. Qu'on avait fait le pari là, qu'on avait prévu récupérer la montre. Alors faut vraiment mort discret tout ça, je m'en fiche, là le but c'est de finir le jeu. Voilà. Bah tu fais quoi? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein? Écoute. Reste en arrière et laisse-moi passer le premier. Suivant. Voilà. En route. T'es pas déjà vu, toi? J'en doute. Attachez-le. Voilà. En fait, normalement, vous restez au milieu des gardes, vous approchez discrètement et vous tuez. Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par trois fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de sa majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches nues de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse vous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Alors, directement, hop, on court ici, là. Il y a fumigène dans cette porte. À droite. Voilà. Et voilà. Et il nous reste encore une séquence. Plus ou moins longue, elle doit faire une demi-heure à peu près, ouais tant pis. La vidéo fera largement une heure. Mais j'ai envie de terminer cette séquence 11 dans cette vidéo là.
Comme ça, dans la prochaine, vous aurez uniquement la séquence 12, donc la fin du jeu, mon avis sur le jeu. Et ça suffira amplement, je pense. Or, là, vraiment, on remarque qu'à la fin du jeu, ça s'accélère. Il y a eu un peu un temps mort au milieu du jeu, là, il y a vraiment une accélération. On assassine plein de personnes d'affilée, là. On est en train de se faire une bonne petite boucherie, hein. Allez, c'est parti. Ah, attendez. Ah oui. Je voudrais te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du 14e siècle. Après avoir s'être occupé de la touche, on arrive là. Qui initie en gros la dernière partie d'Hélice, hein, la dernière mission d'Hélice. Et ça sera la partie médiévale. Voilà. Voilà. En fait, je me suis trompé. La mission que je vous parlais, en fait, en séquence 12, ça m'arrange. Parce qu'en fait, la séquence 12, vous assassinez Robespierre, puis après Germain. C'est pas un spoil, ça, je pense que vous en doutiez, hein, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est... En fait, les deux vidéos seront à peu près aussi longues, parce que, en fait, s'occuper de Robespierre, ça prend à peu près une demi-heure. Germain, ça prend à peu près une demi-heure, puis c'est générique, tout ça, à la fin. Donc c'est juste parfait. Alors vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Parfait. Alors vous courez vers à droite. La simulation est en train de se détruire. Trouve la sortie, vite. Alors, vous gongez à droite. C'est pas le bon endroit, ça. Si c'était le bon endroit, là, je me suis planté. Excusez-moi, Ouais, c'est le bon endroit. Donc, en fait, quand vous faites la faille X, en fait, vous arrivez en haut. Le pont est encore intact dans la faille X. C'est pour ça que j'étais un peu déstabilisé. Mais c'est bon, j'ai retrouvé mes repères. Ben évidemment, il manque une seule partie là entre la touche et ça, c'est que normalement en fait il faut trouver la faille, il faut sauter dedans. Donc bon. Tu y es presque. C'est pas encore quelque chose de très important. Je vais pas m'emmerder à essayer de chercher la vidéo sur YouTube. Je m'excuse de ce terme là, mais c'est vraiment ça. C'est pas un truc encore très important, les dialogues sont pas importants. Suis ma voix. Trouve la sortie. Vite. C'est beau le jeu, hein. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on finit la séquence 11 du jeu. Et c'est aussi là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Je m'excuse un peu quand même de la manière dont c'est fait. Je sais que c'est pas la meilleure des manières. Je sais que c'est pas aussi bien fait que si que mon premier enregistrement. Je dis clairement ce qui est. J'essaie de faire de mon mieux. Je m'excuse encore des dérangements occasionnés par ces soucis techniques. Enfin,
Par cette erreur humaine que j'ai réalisée, voilà, j'ai supprimé définitivement les vidéos, j'avais oublié de les mettre en ligne, c'est juste une erreur à moi. J'aurais dû faire attention, donc ça m'apprendra. Quoi qu'en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en regardant cette vidéo. Donc nous avons fait la séquence 10 et 11 du jeu. Il ne reste maintenant plus que la séquence 12 à réaliser. Et donc la fin du jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte-vous bien. Et à ciao tout le monde.